Et salut à tous, c'est Wolfie, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas j'ai la patate. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cette farm à blé qui est super efficace. Donc je vous montre tout de suite. Si je prends des graines, j'active le levier. Hop, vous voyez, ça produit du blé, de suite ça le casse, ça produit. Vous avez juste à laisser le clic droit appuyé avec une graine et puis ça marche. Et vous voyez que l'or est que... Rien qu'en quelques secondes, j'ai obtenu déjà tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout même. Du coup, c'est parti pour le tuto. Donc pour le tuto, vous aurez besoin de construire une plateforme de 3 de largeur par 4 de longueur. Sur le devant, vous allez mettre un piston collant comme ceci, puis 3 blocs et 2 comme ça. Donc vous faites une sorte de U là avec un piston collant ici. Sur ce bloc, vous allez mettre un levier. Derrière, vous allez mettre deux hoppers qui vont l'un dans l'autre. Donc, vous mettez un hopper, vous mettez l'autre qui va dedans, vous cassez le premier et vous le remettez pour que ça fasse ça comme ça. Vous mettez une redstone ici. Ensuite, là, vous mettez un comparateur, un piston, un bloc sur le piston, un bloc solide, un repeater. Il y a deux ticks, ici, une torche de redstone. Ensuite, là-bas, sur le comparateur que vous allez mettre en off, vous n'allumez pas le devant, vous mettez un observer qui regarde en haut, à côté de l'observer un bloc. Ensuite, vous allez prendre des dispensers, vous en mettez un au-dessus du levier, comme ça, pas comme ça, comme ça, un comme ça et un comme ça. Vous ne mettez surtout pas de bloc au-dessus de la torche, sinon ça risquerait d'activer le dispenser et ce dispenser ne serait pas activé après, du coup ça ne marcherait pas. Et vous en mettez un quatrième de dispenser qui regarde vers le bas, comme ça. Tous les dispensers sont dirigés vers le même endroit. Ensuite, vous pouvez prendre ces trois items, c'est-à-dire un farmland, donc un champ. Donc si vous êtes en survie, vous mettez un bloc de terre et vous mettez une houe. Vous faites attention, vous mettez l'eau derrière et pas ailleurs. Vous faites attention de ne pas le mettre dessus parce que sinon l'eau va sortir et le redstone, ils sont pas très copains. Ensuite, vous prenez de la redstone et vous en mettez sur l'observer, sur ce bloc-là. Ici, vous mettez un bloc pour couper les redstones. C'est important qu'ils ne soient pas connectés. Et ensuite, une redstone sur chaque dispenser. Et vous avez à peu près fini. La seule chose qui vous reste à faire, c'est remplir tous les dispensers de bonne mille. C'est la seule chose qui est un tout petit peu coûteuse dans ce système. Sinon, le reste, vraiment, c'est... C'est super, vraiment bah, pas cher quoi. Enfin, il y a vraiment quelques blocs, 2-3 pistons, 2 hoppers, et puis voilà. Aussi, une chose importante que j'ai oublié de vous dire, dans le hopper, vous mettez un seul item, comme ça, qui va commencer à faire ça, et vous pouvez baisser le levier pour arrêter. Donc là, votre champ il est mouillé, et ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre les graines, votre farm est finie. Vous activez le levier, ça va faire ça, et vous laissez appuyer. Et du coup, vous avez une farm à blé totalement automatique. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est la fin pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez si ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis ciao!